En manchette aujourd'hui, les bacs bruns seront bientôt livrés dans la MRC de Dautré. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du vendredi 27 avril 2018. Depuis maintenant quelques mois, les municipalités de Lavaltrie, Lanoraie, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Ignace-de-Loyola, toutes membres de la MRC de Dautré, collaborent assidûment afin de préparer l'intégration de la collecte des résidus alimentaires sur leur territoire. Destinés à cette nouvelle collecte, des bacs de couleur brun-marron seront ainsi livrés à chaque domicile en mai prochain. Plus précisément, les citoyens recevront un aide-mémoire pour le tri des déchets, un bac roulant et un bac plus petit pour la cuisine. Entre-temps, un document d'information incluant les calendriers des collectes de résidus alimentaires sera également acheminé à tous les citoyens concernés. Le ramassage du contenu des bacs débutera en juin et s'effectuera hebdomadairement pendant la saison estivale. Toujours dans l'optique d'une bonne maîtrise de la nouvelle collecte par les citoyens, la MRC a confirmé le retour de la patrouille verte qui se déplacera de résidence en résidence afin de conseiller les citoyens et de répondre à leurs interrogations. Le service environnement rappelle que par les résidus alimentaires, on est entendu qu'on parle de résidus de fruits, de légumes, de coquilles d'œufs, de sacs de thé, de filtres à café, de pâtes alimentaires, le pain, le riz, les céréales, la viande, les produits laitiers et les papiers souillés. Donc, pour obtenir un petit peu plus d'informations au sujet de la collecte de résidus alimentaires, il est possible de joindre l'équipe liée au service au 450-836-7007, le poste 2547, ou par courriel à info@gmr.qc.ca. Par rapport encore à ce sujet-là, justement, il va y avoir des séances d'information plus ciblées, justement, pour les apprendre l'utilisation. La première aura lieu, justement, le 1er mai à 19h à Lanoraie, au 12 rue Louis-Joseph-Doucet, pavillon Bourdon. Il y aura aussi le 22 mai à Saint-Ignace-de-Loyola, au sous-sol de l'église de Saint-Ignace. Et vous aurez aussi le 29 mai à Sainte-Geneviève-de-Berthier, 391 rang de la rivière Bayonne-Sud, au chalet des loisirs. Donc, c'est les présentations qui seront faites là seront suivies d'une période de questions. Et ça, ces activités-là, c'est justement en relation avec la livraison des bacs bruns dans notre MRC. Il y aura aussi des formations sur le compostage domestique. Cette information vient aussi pour aider les gens qui veulent investir justement dans le compostage. Et cette année, les formations auront lieu la première le 10 mai à Saint-Norbert et la deuxième le 17 mai à Saint-Barthélemy. Le 10 mai, ce sera à la salle municipale 2150 principale à Saint-Norbert et le 17 mai, ce sera à la salle communautaire le 1980 rue Bonnet, justement à Saint-Barthélemy. À noter que tous les citoyens de tout le territoire des 15 municipalités sont invités à se présenter et ils sont accueillis avec plaisir. Ces formations initiant le citoyen à l'utilisation d'un composteur domestique s'avèrent riches en bénéfices. Excusez-moi. Les participants auront l'occasion d'acheter à la MRC un composteur au prix réduit de 27 $ taxe en sus, représentant 50 % du coût régulier. Cette subvention sera également valable pour l'achat de tout type de composteur moyennant la présentation d'une preuve d'achat. De plus, la MRC procède au tirage d'un composteur parmi les gens présents à la fin de chaque formation.
Pour plus d'informations ou participer à ces formations, il suffit de joindre le service environnement de la MRC au 450-836-7007, le poste 2547, et par le même courriel qu'on vous a donné tantôt, je vous le répète, info@commercialmrcdautry.qc.ca. Donc, nous sommes vraiment partis pour la saison estivale en mode récupération, en mode compostage. On change de sujet maintenant, on vous parle des prochaines activités du CABA. Une prochaine activité qui aura lieu la semaine prochaine, jeudi le 3 mai. Encore là, les petites vues, toujours très bien appréciées de la part des usagers du CABA. Le premier film, ce sera Le maître de la scène de Grete Schaumann. Écoutons justement la bande-annonce de ce film. Puis-je avoir votre attention? Vous êtes tous renvoyés. On a fait faillite? Meilleure chance à votre prochain emploi. I am not a stranger to the dark. Ce n'est pas la vie que je t'ai promise. Ça ne s'en approche même pas. Because we don't want your broken parts. Les filles, je crois que je viens d'avoir une idée. Look out, cause here I come. P.T. Barnum, à votre service. Je prépare un spectacle. Et je cherche une star. Tout le monde a quelque chose de spécial. Et personne ne ressemble à personne. C'est le message de mon spectacle. Prêt? Que le spectacle commence. Personne n'a jamais fait de différence en faisant comme tout le monde. Je peux pas tout foutre en l'air et me joindre à un cirque. Pourquoi pas? Après tout, t'as visiblement le sens du show business. Le show business? Je connais pas ce mot-là. Parce que je viens de l'inventer. Donc, on vous rappelle que cette activité aura lieu le jeudi 3 mai. Le film Le maître de la scène, c'est une comédie musicale et comme toujours au CABA, le coût d'admission est de 3 $ par personne. Vous pouvez réserver vos places au 450-836-7122. Une prochaine activité aussi du CABA est quand même un petit peu loin, mais on vous rappelle quand même l'activité. Donc, un atelier offert par le CABA avec la table de concertation en soutien à domicile de la MRC d'Autré. Donc, le titre de la conférence, la clé, bien choisir pour bien se loger. Tôt ou tard, en tant qu'aîné, vous aurez probablement appelé à solliciter des services afin de vous aider à rester à votre domicile. Pour vous aider dans votre réflexion, la table de concertation en soutien à domicile de la MRC d'Autré propose un atelier stimulant, la clé, bien choisir pour bien se loger. Elle vous permettra de bien identifier vos besoins, d'améliorer vos connaissances en ressources disponibles dans votre milieu, de mieux connaître les diverses options de domicile, d'échanger avec des personnes qui se posent les mêmes question de vous. N'attendez pas d'être à la remorque de vos événements, participez activement à votre avenir. C'est une très belle devise qui devrait être bien appliquée. Découvrez tous les services de soutien à domicile de votre territoire. Donc, l'activité aura lieu le mercredi 23 mai à la maison Gérard Lavallée, 4 places du Phare à Lavaltrie, de 9h30 à 15h. Les frais d'inscription sont de 5 $, repas inclus, et ce sera payable sur place. Date limite pour l'inscription, le 18 mai 2018. Pour vous inscrire, comme le nombre de places est limité, on vous demande de téléphoner. C'est un téléphone sans frais au 450-404-2211.
je vous répète, 450-404-2211 et le nombre de places est de 15 personnes par atelier et ces ateliers auront lieu toute la journée du 23 mai. Une autre belle activité qui s'en vient aussi au niveau du Québec. Il reste quelques places pour les cours d'informatique. On parle du cours 1, comprendre son ordinateur. Est-ce quelqu'un qui se présente avec son portable pour être admissible à ce cours? Il reste seulement quelques places. Donc, ces cours se donneront le mercredi 9 et 16 mai, 11 et 18 mai. Pour information, 450-836-7122. Il y a toujours les activités cafards qui ont lieu le lundi à compter de 1h30. On vous parle de ces activités. Vous amenez justement vos produits, les choses artisanales que vous faites, que ce soit de la peinture, du crochet, du tricot, vous apportez vos produits. Vous pouvez en faire sur place et les gens ensemble peuvent discuter justement qu'est-ce que vous faites et apporter des solutions ou des répondre à des questions des fois que les gens ont besoin d'aide. Donc, ces activités cafards se déroulent tous les lundis après-midi. Donc, encore là, si vous voulez avoir d'informations, compte 450-836-7122. En terminant, concernant le Québec, il reste encore quelques places justement pour le théâtre de l'Hélénie et le souper au restaurant. La date d'inscription est jusqu'au 1er mai. Écoutons justement une invitation des participants de la Hélénie qui vont avoir être très contents de venir vous rencontrer le 6 mai. Bonjour, j'aimerais vous inviter à un événement le 6 mai prochain au profit du Centre d'action bénévole d'Autré. C'est une belle sortie au Club Soda pour aller voir un match de la Ligue entre les Bleus et les Rouges. Et après, je vais aller souper avec vous, avec Sophie Caron, donc deux joueurs de l'équipe des Rouges, au restaurant Accor, juste à côté du Club Soda. Donc voilà, au profit du Centre d'action bénévole d'Autré. Soyez donc là, improvisation mixte, et donc pour titre, j'y serai. Tiens, voilà. On vous rappelle que cette activité se tiendra le dimanche 6 mai. Le départ se fait à compter de 12h30 ici au Québec. Retour vers 19h30. Donc, on assiste à un match de la Hélénie, toujours très passionnant. Vous avez le souper inclus au restaurant Accor. L'autobus est fourni. Le coût est de 80 $ souper inclus. Donc, si vous voulez avoir encore des places, 450-836-7122. Et la prochaine activité du mois de mai est une visite du casino avec un dîner buffet et le spectacle des crooners au cinéma en après-midi. La date limite de réservation, le 18 mai. Autobus fourni et buffet et, comme on a dit tantôt, le repas est fourni. Donc, le coût est de 85 $, taxes incluses. Si vous voulez, maintenant, nous allons passer à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Les anniversaires pour cette fin de semaine, le vendredi 27 avril, l'Ordre des filles d'Isabelle, le siècle 699, désire souhaiter bon anniversaire à Françoise Sylvestre. Au niveau de la FADOC de l'Île-du-Pas, vous avez Lise Dallaire, Sylvie Bissonnette et Francine Latour. Allons maintenant au 28 avril. L'Âge d'or de Saint-Ignace désire souhaiter bon anniversaire à Francine Latour. L'Ordre des filles d'Isabelle, siècle 699, à Jeanne d'Arc de Bellefeuille et la FADOC de l'Île-du-Pas à Jean-Paul Capagna, Achille Lambert, Marc Gélina, Claude Guévremont et Jacqueline Rochelot. Allons maintenant au 29 avril, le dimanche le 29 avril. L'Âge d'or de Saint-Ignace désire souhaiter bon anniversaire à Micheline Fafard. L'Ordre des filles d'Isabelle, le sac encore 699 à Madame Angèle Jasmin et Jeannine Carrière Mathurin. Et la FADOC de l'Île-du-Pas à Monsieur Michel Gaboury. À toutes ces personnes, bon anniversaire. Profitez-en bien en fin de semaine pour fêter avec votre famille et vos amis. On vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous à tous les jours, soit par téléphone 450-836-5103 ou par courriel à tvcberthierville@hotmail.com. Il nous fera plaisir de soit passer vos vœux d'anniversaire, de lire vos commentaires sur nos émissions et aussi, si vous désirez devenir bénévole, vous pouvez communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous intégrer à notre équipe. On continue les nouvelles maintenant. Il y aura un rinçage du réseau de distribution d'eau potable pour la ville de Berthierville encore le 27 et le 28 avril, donc aujourd'hui et demain. Suite à ces opérations, il se peut que votre eau soit jaunâtre ou brouillée. Pour y remédier, laissez couler l'eau quelques minutes jusqu'à qu'elle redevienne plus limpide. Donc, la municipalité s'excuse des inconvénients que pourrait causer cette situation, mais ce sont des travaux d'entretien normal. Le ministère des Transports aussi informe les usagers de la route qu'il y aura une fermeture complète durant Saint-André à compter du 30 avril prochain pour une durée approximative de 2 semaines. Cette fermeture est nécessaire afin de réaliser des travaux de remplacement du tablier du pont juste au-dessus de la rivière Chico. Les usagers de la route devront emprunter le chemin de retour mis en place par le rang Saint-Amable, la route 347 et la route Fafard. Donc, le ministère remercie les usagers de votre compréhension et de votre patience. Quelques nouvelles maintenant de l'UPA. Plus de 130 délégués et invités ont pris part à la 89e Assemblée générale annuelle de la Fédération de l'UPA de Lanaudière qui s'est tenue jeudi le 19 avril soirée. En plus des sujets courants discutés de lors de l'Assemblée, le poste de président est en élection et deux producteurs avaient déposé leur candidature. Par vote secret, c'est M. Marcel Papin qui a été réélu pour 2 ans à la présidence de la Fédération régionale pour un 3e mandat. Donc, il a mentionné que c'était un honneur pour lui de représenter les producteurs et productrices agricoles et il a remercié tout le monde de leur confiance qu'il leur a démontrée. En parlant aussi de l'UPA, pour minimiser les dommages aux cultures, on parle d'enfarouchement des oiseaux migrateurs en milieu agricole. L'enfarouchement est réalisé seulement lorsqu'il y a des risques pour les cultures au moment de la reprise de la végétation ou lors des semis. Les enfaroucheurs utilisent des pistolets de départ, des armes blanches pour faire fuir les animaux. Donc, vous pouvez, c'est sûr, avoir un contact qu'on vous donne, Muciel Demois, qui est au 450-883-2315. Si vous souhaitez enfarouger lui-même, d'accord, le matériel d'enfarouchement peut être commandé auprès du fournisseur. On parle d'un fournisseur, monsieur, la compagnie Finch, au 1-905-563-4774, mais vous devez détenir un permis d'enfarouchement du Service canadien de la faune. Et si vous cherchez des chasseurs d'oies, on pouvait être en contact avec des chasseurs respectueux. L'UPA peut vous mettre en contact avec des chasseurs respectueux des terres agricoles. Donc, pour toute information, vous pouvez communiquer avec Jean-François Aumont au 450-753-7486, le poste 243. Et il y a possiblement des indemnités pour dommages causés par la sauvagine. Encore là, vous pouvez avoir de l'aide de la financière agricole pour pouvoir savoir si vous êtes admissible à ces dédommagements.
On vous rappelle que le groupe d'entraide en tout amitié organise un cocktail dînatoire le vendredi 25 mai à 17h à la ville de Berthierville dans la salle du conseil. Le cocktail est sous la présidence d'honneur de M. Pierre Lahaye, donc propriétaire du Tic Géant à Berthierville. Le coût des billets est de 10 $ pour les membres, 20 $ pour les non-membres et sont disponibles auprès de l'organisme le groupe d'entraide en tout amitié. Pour information, 450-836 6966. En fin de semaine, si vous voulez aller à la maison Antoine Lacombe, il reste encore 2 jours pour l'exposition des œuvres d'aquarellistes. Donc, cette activité-là regroupe près de 18 artistes qui sont des professionnels ou semi-professionnels dans l'aquarelle et qui présentent leur dernière réalisation. L'exposition offre un ensemble d'œuvres d'une très grande diversité, parfois réalisées sur du papier traditionnel, parfois sur du papier tendu et verni ou encore directement sur une toile. Elle passe du figuratif à l'abstrait, des couleurs chaudes vibrantes aux palettes les plus sobres. Donc, pour information, si vous voulez avoir plus d'activités concernant la maison Antoine Lacombe, 450-755-1113. Et aussi, il y aura une activité proposée pour les 5 à 7 ans le dimanche 6 mai, donc la grande fête d'Annie Durette. Donc, c'est une exposition qui est présentée dans le cadre des Petits Bonheurs de la Naudière. Et vous aurez aussi une activité pour les enfants. Si vous désirez vous inscrire, vous pouvez toujours appeler encore là à la Maison et Jardin Antoine Lacombe, parler avec Mme Laurie Desgrès au 450-755-1113. Il reste encore quelques places pour la Grande Tablée 2018 qui aura lieu justement à l'École d'hôtellerie de la Naudière. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, Mme Jeanne Arsenault, 450-753-7486, le poste 232. Quelques activités aussi au crapaud. Samedi 28 avril, un spectacle autour de la chanson, de la poésie et du slam qui mettant en vedette les artistes français Ben Hébert Larue et Yo du Milieu, ainsi que le slameur lanaudois Jocelyn Touin. Donc, cette activité se passe justement samedi le 28 avril. Vous pouvez avoir de l'information au 450-886-1515 ou sur le site Internet du Crapaud à crapaud.qc.ca. Le jeudi 3 mai, maintenant, au Crapaud, ce sera le photographe Paul Ritschel qui présentera son exposition « 6 pattes et plus » dans le cadre d'un 5 à 7 au Crapaud. D'origine allemande, il cultive un intérêt pour la nature depuis son enfance. À l'âge de 14 ans, il achète son premier appareil et à la découverte de la photographie, pour lui, était vraiment un déclic, vraiment une passion. L'entrée est gratuite et le bar sera ouvert pour prendre un verre. Donc, 2 belles activités à venir au Crapaud dans les prochains jours. La Société d'horticulture et d'écologie de Dautré vous invite à son encan annuel qui aura lieu le 9 mai 2018 à 19h. Bienvenue à tous. Comme à chaque année se tient cet encan, apportez vos végétaux en surplus de votre jardin et vous donnerez à votre société. Donc, nous les vendrons afin d'amasser des fonds pour notre organisme. Identifiez bien le nom de la plante, la hauteur, la couleur d'éclairage, si possible. C'est une excellente aussi façon d'acheter des végétaux à bas prix. Donc, une soirée très animée. Comme toujours, cette activité-là a lieu au presbytère. Vous pouvez rejoindre Pauline au 450-836-0517 ou Sandra au 450-887-0166. La Maison de la famille aussi tient un souper spaghetti, justement pour être capable d'avoir des fonds, justement, suite au vandalisme qui a eu lieu en janvier dernier. Donc, le 1er juin prochain, la Maison de la famille fait un souper spaghetti, comme je vous l'ai mentionné, au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. C'est fait en collaboration avec le groupe d'entraide en toute amitié, le CABA, la table des partenaires. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, 450-836-7035. Le coût du billet pour 12 ans et plus, 20 $. 11 ans et moins, ce sera 10 $. Et maintenant, allons à la deuxième pause.
Au CHRDL de Joliette, le 11 avril, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Denis Coulombe, époux de Denise Plante, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans notre œil, outre son épouse, ses enfants, Marie-France Coulombe, Marc-André Coulombe, Mélanie Desroches, ses petits-enfants, Charles et Roseline, son frère Alain Coulombe, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 28 avril dès 9h le matin au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 11h. Monsieur Coulombe sera inhumé au cimetière de Saint-Thomas-de-Joliette à une date ultérieure. À son domicile, le 20 avril, à l'aube de ses 68 ans, est décédée Mme Lucette Lavoie, épouse de M. Marcel Lessard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédée, Julien et Jocelyne Lessard. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Yannick Lessard, Mylène Lessard, Guillaume Doucet, Jonathan Dow, ses petits-enfants, Chad Lessard, Arnaud, Arthur et Jules Doucet, ses frères et belles-sœurs, Jean-Yves Lavoie, Muriel Brûlé, Gérard Lavoie, Diane Lincourt, Guy Lavoie, Chantal Morin, Marc Lavoie, Sophie Godin, ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs conjoints-conjointes, Céline, Denis, Maryse, Gisèle, Pierre, Michel, Carole, Hélène, Serge et Sylvie Lessard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 28 avril dès 11h le matin au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe le même jour à compter de 14h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Excusez-moi. Donc, au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Donc, on vous rappelle là, qu'il y aura une fermeture complète durant Saint-André à Saint-Cuthbert à compter du 30 avril. Maintenant, passons à la météo. Donc, la météo pour aujourd'hui, cet après-midi et en soirée, on devrait avoir une température oscillant entre 11 et 16 degrés Celsius, avec seulement 30 % de probabilité de précipitation pour ce soir. Cette nuit, nuageux, température oscillant entre 4 et 5 degrés Celsius. Demain matin, on devrait se réveiller encore avec des nuages, avec une température oscillant entre 7 et 8 degrés Celsius. Une faible pluie pour samedi, avec une température d'environ 11 degrés Celsius. Le retour du beau temps et du soleil devrait se faire à partir de lundi. Ça sera un petit peu plus nuageux. Mardi, on parle même de 18 et mercredi, le 2 mai, de 24 degrés Celsius. Donc, vraiment des températures un petit peu plus printanières. On vous rappelle qu'en fin de semaine, c'est le spectacle de patinage artistique du CPA Berthierville. Ce spectacle a lieu samedi soir et dimanche après-midi. Donc, venez encourager les jeunes qui ont travaillé toute l'année pour présenter leur numéro, justement, leur spectacle de patinage artistique. Donc, bienvenue à tous et on vous remercie aussi pour votre écoute toute la semaine. On sera de retour lundi pour un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, bonne fin de semaine et à lundi. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître...